Mes chers abonnés, vous qui me suivez regarder sur vos écrans de TV depuis quelques années, avec qui je partage mes galères et mes colères, les histoires du passé, d'un autre âge presque oublié, nous sommes actuellement confinés parce que l'État l'a décidé, en couvre-feu, parce que l'État l'a décrété, à cause d'un virus dont on est menacé. Pour nous empêcher d'être contaminés et dont on ignore la vérité. Est-ce la bonne solution à ce problème que d'empêcher les gens de travailler, que d'empêcher les gens de circuler? On nous parle de réchauffement climatique, de voyage intergalactique, que les Chinois iront coloniser la Lune. Que les Américains iront coloniser Mars. Que par des trous noirs en trous de ver, on pourrait voyager à travers tout l'univers, même remonter jusqu'à l'âge de pierre. Combien de Français sont en galère? Combien de Français sont à découvert? Combien de gens vivent dans la misère, morts de froid l'hiver et finissent au cimetière? Combien de voyageurs affamés, ne trouvant nul terrain où camper? Bien au chaud et bien installé dans mon canapé, je regarde les infos à la télé en savourant une tasse de thé. Et puis tout ça devient normal. Et puis tout ça devient banal. Et puis tout ça devient normal. Et puis tout ça devient banal. Je reste dans mon univers paranormal. Quand j'ai la presse à scandale, sorti du trou, j'ai pris mon deux-roues pour faire des sous en bossant pour Deliveroo. Mais c'est l'État qui s'enrichit sur mon salaire ou sur mon dos. On trime pour un salaire de misère. Tous les libraires sont en colère. Y a rien à faire, il faut choisir le paradis ou bien l'enfer. Je monte des projets, mais rien n'y fait. J'ai pas assez de louvés. La concurrence va me boycotter. Ma liberté est menacée. Je suis sur écoute, je suis surveillé. Je suis pisté par les Condés. On veut m'empêcher de renouer avec les gens de mon passé, avec les membres de ma famille. Ils veulent que je sois un cas isolé. Ils savent très bien que sans soutien, j'irai pas loin. Donc voilà, c'était pour la petite rime du jour. Sur ce, ciao!